c'est la plus grande fête de la communauté. Vous voyez, en Chine, tous les immigrants, ils vont retourner chez eux. Et ici, nous avons perpétué la coutume de se réunir la veille de la fête. C'est-à-dire qu'il y avait un grand dîner où tous les membres de la famille se rencontrent. Comme vous voyez, les vieux donnent des fumba aux jeunes. C'est une occasion de se réunir en famille. Et tout le monde, c'est moi qui me suis Maurice, tout le monde dans la diaspora, je ne sois pas grandi. Parce que grandi, apparemment, il protège les militaires, les juges, les commerçants, les lettrés, les étudiants. Mais comme l'île Maurice est devenue indépendante en 1968, 12 mars, le signe est le singe de la terre. Et pour Maurice, ce sera bon dans tous les domaines, surtout financiers, la politique et l'immobilier. Aujourd'hui, c'est un jour consacré pour bon Dieu, presque le premier jour de l'année. Et en principe, aujourd'hui, un jour, comment dire, carême, je n'ai pas mon lâché, mais je garde ça jour-là. Je fais avant de faire légumes. Mais d'après les traditions, mais pas tout qui suivent. Une bonne partie, ça va suivre. Je veux dire, l'année, bien amusé. En famille, tout le monde réuni. Nous venons la prier, nous faisons une pagode d'abord, nous venons comme si remercier bon Dieu pour l'année qui nous passe. Et nous commençons l'année bien. Tout le monde qui n'est pas obligé de manger, nous pouvons manger. C'est une bonne chose. C'est une fête qui tout le monde là en famille, qui c'est vrai l'année des singes. C'est vraiment l'année, je pense, l'année bonne. Mais je suis très heureuse pour l'année, je suis venue assister. La fête, on ne mange pas trop la chair, on mange plutôt les légumes. Mais moi, je ne connais pas exactement ça, il faut partir de ça. Mais de toute façon, on va célébrer la fête ensemble. C'est une fête culturelle, parce que mon père est déjà chez moi. Alors, je pratique dedans. Oui, mais pour l'année de chance, espérons que tout ça va passer très bien. C'est moi, je retirerai le pétard le matin et ça se passe très bien en famille. Aujourd'hui, je mange quand même tout, mais comme c'est vrai, je garde le carême après.